pas se dit. Écoute des mots de ce qui se dit pas, papa, de. Et l'âme, la mère amère, percer le mystère. Alors je m'appelle 278 07 75 14 415 11 6 91 16 05 1971 16 05 1971 23 32 07 252 3 4e étage 06 17 71 26. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est vrai, ça? Le savoir, c'est le pouvoir. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Là, ça, c'est bien. C'est bien. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est faux, ça. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Et le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Ça, c'est science politique. Ça, c'est savoir. Science politique. C'est l'école. Alors, et maintenant, souriez, vous êtes filmé. La pute salope. Bonjour. Alors moi j'ai 14 ans. J'adore faire des photos. Alors moi j'adore. Alors moi j'ai mes super lunettes Kukai. Et j'ai 12 ans. Je ne serai pas présidente de la République. Voilà. Préfecture de police. Direction de la police générale. Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques. Deuxième bureau, service rédaction contentieux, CTX, N, 18-19, Paris, le 3 septembre 2010, Madame Benziada Karina, Madame, le 24 juin 2010, vous avez déposé dans mes services une demande de titre d'identité sécurisé. Je vous informe, madame, que toute délivrance de titre réclame un contrôle approfondi de toutes les pièces produites et également l'identification formelle du demandeur afin de lutter contre les risques de fraude à l'identité. À cet effet, madame, mes services ont pris attache auprès de l'autorité préfectorale qui a établi votre précédent titre. 94, le département d'à côté. À ce jour, et malgré plusieurs demandes, madame, donc, nous sommes le 3 septembre 2010. Le 24 juin 2010, vous avez demandé les possibilités de service, une demande de titre d'identité sécurisé. Le 3 septembre 2010, aussi, à ce jour et malgré plusieurs demandes, il ne m'a pas été possible d'obtenir communication du dossier concerné. Aussi, madame, monsieur, mademoiselle, les enfants, toi,
titre dans les meilleurs délais, je vous invite à compléter votre demande avec la copie d'un maximum de documents officiels ou non, pouvant justifier de votre identité, madame. Avec photographie, permis de conduire, carte d'identité française ou étrangère même périmée, passeport français ou étranger même périmée, carte d'étudiant, carte professionnelle, etc. Et sans photographie, livret de famille, carte vitale, impôts, prestations sociales, carnet de santé, diplôme, certificat de scolarité, attestation de stage, attestation de recrutement militaire, carte électorale, etc. Courrier d'un membre de votre famille, parent, frère ou sœur, attestant de votre identité, copie de sa pièce d'identité et du livret de famille. Ces documents doivent me parvenir, madame, par voie postale à l'adresse suivante. Préfecture de police, sous direction de la citoyenneté et des libertés publiques, deuxième bureau de la direction de la police générale, 9 boulevard du Palais, 75 195, Paris, CEDEX 04. Faute de me faire parvenir les 10 documents dans un délai de 2 mois, madame, je vous informe que je procéderai au classement sans suite de votre demande. Je vous prie d'agréer, madame, l'assurance de ma considération distinguée pour le préfet de police, pour le directeur de la police générale, l'adjointe au chef du deuxième bureau. République française, liberté, égalité, fraternité. C'est écrit. Ah oui, il y a un homme qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, je me demande pourquoi tu es si vilaine avec les hommes. Je trouve que ça ne t'embellit pas.
Monsieur avec les cheveux noirs et la moustache. Un monsieur. Un monsieur. Pas tout à fait chez nous. J'étais à Vitry-sur-Seine, c'était la banlieue, c'était très mélangé, mais bon. J'ai quand même bien vu que le monsieur, c'était. Voilà quoi. Donc en fait, la maîtresse me dit c'est le professeur d'arabe. Quoi? Qui c'est qui veut faire des cours d'arabe? Hein? Qui c'est qui veut aller manger à la table où ils mangent pas de porc? Ils ont tous régné la même table. C'était une table qui était, je sais pas, au fond de la cafétéria, vers là-bas. Et moi, c'était la table où je voulais pas aller. Enfin, c'est-à-dire que quand le professeur d'arabe, la maîtresse a présenté le professeur d'arabe et a dit que qui c'est qui voulait prendre des cours d'arabe et qui c'est qu'elle est à la table pour manger pas de porc, je crois que j'aurais voulu disparaître à ce moment-là. Si je me rappelle vraiment. Parce que c'était la table où. Il puait. C'était la table de ceux qui puaient. Voilà. Et juste un dernier souvenir, et après je vous laisse tranquille. Un jour, mon papa, il vient à la maison, et on regarde la télévision, et il s'habille en djellaba le soir. Et ma mère, elle met une chaîne en arabe. Et ma soeur et moi, on regarde. Et on éclate de rire. Parce que quand même, c'est super. C'est nul cette langue, quoi. C'est quoi cette langue, quoi. C'est pas une langue, ça. C'est un truc de barbare, quoi. Thank you.